Tôt le matin avec Gary, notre guide local. Une pluie fine et un brouillard dense enveloppaient la ville, donnant une ambiance mystérieuse à notre départ. En longeant la forêt d'Oziyama, nous avons été impressionnés par la taille gigantesque des arbres et des feuilles, notamment les oreilles d'éléphant, ces Colocasia esculenta aux feuilles immenses et fascinantes. Après une heure de route, nous sommes arrivés au site du pont de Liane de Coulé. Gary, accompagné d'un guide local, nous a conduit à travers des sentiers sinueux. En chemin, il nous a raconté des histoires sur la région, tandis que la pluie douce et le croissant des grenouilles ajoutaient une touche magique à notre marche. Nous avons croisé des plants de café arabica, des papillons africains colorés, et avons observé le fascinant papillon ricin africain, ses ailes délicates illuminées par les rayons de soleil filtrant à travers la canopée. Enfin, le pont de Liane est apparu devant nous, suspendu au-dessus d'une rivière scintillante. Gary nous a expliqué que ce pont, construit il y a des décennies par les ancêtres de la communauté, symbolise la résilience et la solidarité. Nous avons traversé le pont avec une certaine appréhension, et chaque pas sur cette structure ancienne a renforcé notre admiration pour l'ingéniosité locale. Au milieu du pont, nous avons été émerveillés par la vue de la rivière en contrebas, avec des papillons comme les Fantarebes voltant autour de nous. Gary nous a ensuite offert un verre de vin de raffia, une boisson traditionnelle au goût unique, sous l'ombre d'un grand arbre. De retour à nos véhicules, nous avons déjeuné rapidement avant de rejoindre les cataractes du fleuve Saint-Paul près de l'Ofa. Là, nous avons été frappés par le dur labeur des locaux qui, avec leurs pirogues, plongeaient pour extraire le sable du fond de la rivière. Un travail titanesque pour les travaux de construction. Cette journée restera donc gravée dans nos mémoires comme une immersion dans la beauté naturelle et la culture de la Guinée forestière.